Salut à tous, distribution GNU Linux 1, justement oublié, épisode 6. Voilà, 6, ça sent mieux comme ça. Avant toute chose, je tiens à remercier Philippe qui m'a envoyé cette petite carte en provenance de la région de Murcie, qui en Espagne se trouve légèrement à l'est de l'Andalousie, donc il doit faire très froid. Merci pour la carte, ça me fait un peu voyager. Merci encore Philippe. Donc, cette petite parenthèse est en fait, je vais vous parler d'une distribution qui est, pour une fois le 1, ne sert est inutile. On va parler d'une espèce de DGLFI avant l'heure, oui, une distribution qu'on pourrait qualifier d'inutilicielle, et comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est la Mozilux. C'est quoi cette bête? Rien que le nom, ça devrait déjà vous mettre sur la voie. Prenez l'Ubuntu, à l'époque de la Precise Pangolin, aka 12.04, et rajoutez tous les outils Ubuntu, Mozilla. Fini! Vous avez votre distribution. Que c'est inventif! Donc, j'en avais parlé au mois de novembre 2012 sur mon blog. Voilà. Déjà, sans le savoir, j'avais inventé le terme DGLFI avant l'heure. Bref. Donc, le morceau de choix, c'était un peu plus loin. Voilà. Bon, le site n'existe plus. Mais on pouvait voir sa capture d'écran, c'est que le site en question de la Mozilux proposait, en plus de la distribution gratuitement, une clé à USB 20€ préinstallée avec la Mozilux et 150€ pour un disque dur de 150Go chiffré. Je ne sais pas si beaucoup de personnes l'ont acheté, j'espère que ce n'est pas le cas parce que sinon ça en dirait long sur la crédulité humaine. Bref, c'était pas franchement la joie. Vous trouverez dans le descriptif. Et je recherchais la dernière, bon, même si la dernière mise à jour, dernière mise à jour date du 23 avril 2016, si on regarde dans les fichiers, on s'aperçoit que la dernière version, c'est le 21 octobre 2013. En gros, à peu près 4 ans. Enfin, 3 ans et des bananes au moment où j'enregistre ma vidéo le 14 août 2017. Ça commence à faire vieux. Donc, j'ai récupéré l'ensemble, j'ai fait chauffer mon ami VirtualBox, mais avant tout, je vais vous montrer le changelog. Voilà, donc on apprend que la Mozilux 13.10, qui est la dernière existante, a updaté le noyau au niveau 3.2.0, révision 54, avec Firefox 24, si vu que ça, Firefox 24, Thunderbird 24, SeaMonkey 2.21, LibreOffice, toutes les mises à jour de sécurité de la Ubuntu Precise Pangolin qui a vécu 5 ans, donc qui a été abandonnée en avril 2017. Bref, voilà, ça c'était la dernière version. Autant dire que c'était très intéressant et très développé. Donc, je vais vous montrer la Mozilux d'abord en live. Vous allez voir à quoi ressemblait la Mozilux à l'époque. On est go. Donc là, je vais appuyer sur touche F12. Voilà. Donc ça, on va le réduire. Vous voyez, on pouvait choisir allemand, anglais, espagnol, français, italien. Et on avait plusieurs options. Mac, matériel exotique. Comme cette distribution ne l'était pas elle aussi. Voilà, on va prendre la première option. Et voilà, vous allez voir à quoi ressemble la Mozilux. Après, je vous montrerai l'installation. Parce que je peux vous dire que ça m'a demandé une demi-heure de jurons à cause d'un paquet cassé que je me suis facilité le transit intestinal à forcer la réparation. Merci système de paquet d'Eb. Sur ce plan-là, je l'adore. Bref, donc c'était une demi-heure de jurons, de grossièreté, et tout mon vocabulaire y est passé. Et je peux vous dire que ce domaine est très riche, un peu trop même. Donc voilà à quoi ressemblait la Mozilux à l'époque. Vous allez voir, c'est super inventif. Le temps que ça se charge. Voilà. Donc là, on a une espèce de conquis qui fonctionne qu'à moitié. Non, c'est bon, il fonctionne. Avec pas mal d'outils. Flash Player de l'époque, dans cette version antédiluvienne.
on est pas mal d'outils. Foligatom, pourquoi? On se demande bien. Des jeux, comme l'excellent Amory Back, qu'il faudrait donc que je parle peut-être dans un mémoire de vieux geek. Ça, je me le note. Amory Back, ça me donne une idée. quel intérêt d'avoir un émulateur pour Super NES? Ouais. Donc on avait pas mal de jeux, outils graphiques, dont certains sont morts. Internet, alors il y a pas mal d'applications web qui sont mortes, comme par exemple Google Reader qui ne peut plus exister. Qu'est-ce qui est mort aussi? Picasa est mort. C'est vraiment très, comme qui dirait, très muséesque toute cette histoire. Adobe Reader 9, oh là là là! Donc vous voyez, c'est quand même une distribution qui a un peu plus de 4 ans, donc, enfin, qui va sur ses 4 ans. Dans cette version-là. Oh, c'était quoi la version DLC? Petite 1 quelque chose? Ah non, une version 2 déjà. Autant pour moi. Voilà. Donc vous voyez, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Donc là, je l'ai installé, je l'ai mis à jour, et vous allez voir ce que ça donne. Non mais c'est vrai, là on est vraiment dans la distribution de la DGLFI avant l'heure. Parce que à quoi elle sert? C'est vraiment l'inutilicielle complète. Combien de distributions proposent directement ou indirectement les outils de Mozilla, la fondation Mozilla? 99% avec, moi je parle de distribution bien sûr, à destination bureautique. 99,9% environ. À la louche, hein. Donc là, je vais passer en plein écran. Et voilà la Mozilla mise à jour. Ouais! Donc on va voir, étant donné que la Ubuntu 14.0.12.05 a été mise à jour jusqu'à la fin. Ah, j'oublie de vous montrer un truc. Tant que ça charge. Le temps que ça charge, la date et compagnie. Je vais vous montrer quand même les captures d'écran auxquelles j'ai eu droit. Voilà. Donc déjà au premier démarrage, il m'a proposé directement de passer à Ubuntu 14.04. Je dis non merci. Bon, j'ai eu droit à une mise à jour partielle que j'ai réussi à corriger, mais il y avait quand même 534 mises à jour à faire. Voilà. Donc ça, j'ai oublié de vous le montrer, ça c'est fait. Donc on va voir ce que nous donne maintenant la Mozilla avec les dernières mises à jour disponibles. Donc on doit avoir un flash 11. Ah ouais! Ouais! Super! Pardon, c'est vrai, ça fait son âge. Les outils systèmes, bien sûr. Les trucs comme installer Mozilla, alors qu'il est installé. Pourquoi pas? Donc bien sûr, on a tous les trucs classiques, Amobax, voilà. Les applications web, donc comme je vous disais, Google Reader est mort de chez mort. Voilà. Et si on regarde la date de mise à mort, c'est juin 2013. Enfin, juillet 2013, la mise à mort. Et là, on va savoir quelle version de Mozilla Firefox est disponible. Une assez récente, je dirais, une 52. 52.0.2 et ce n'est pas la version ESR. Dommage. Qu'est-ce qu'il y a comme autre outil qui a, dirons-nous, passé vers ma gauche depuis? Voyons, voyons, voyons. Blablabla. Donc on va dans Internet. CryptoCat, je ne sais plus si ça existe. FireFTP, ça peut être fonctionnel. Mikogo, les outils, je ne me rappelle même plus que ça existait. RetroShare, Sonant, Transmission, c'est une nouvelle version, je pense. On va se retrouver avec une version antédiluvienne. La 2.51, ouais, super, super sécurisé, super à jour. Il ne faut pas exagérer non plus, bien sûr, je plaisante, mais...
on se retrouve vraiment. Ça, le problème, c'est que c'est une distribution qui n'avait en elle-même aucun intérêt. Strictement aucun. Pogo Plug, ça ne semble plus exister. Qu'est-ce qui ne doit plus exister? Firedropper, je me demande si ça existe encore. Oui, ça existe encore. Donc, vous voyez, c'est quand même des vieux outils, quoi. C'était vraiment la distribution qui ne servait pas à grand-chose. Qu'elle se soit arrêtée d'elle-même et qu'elle ait été abandonnée en octobre 2013, ce n'est pas au final si étonnant que ça. Je pense que c'est. C'est quoi, Clean My System? C'est vrai que cette distribution n'avait presque aucun intérêt déjà à l'origine. Alors, 3 ans après sa mise à mort, quel intérêt a-t-elle, mis à part être historique et montrer ce qu'il ne faut pas faire? Ça. Voilà à quoi ressemble maintenant le site officiel de Mozilux. Autant dire que ça n'a plus aucun rapport avec la distribution d'origine. Donc là, c'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin. On va arrêter le massacre. Allez, dodo. C'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Voilà, vous voyez, on est vraiment dans la distribution qui était déjà pas très utile à l'origine. Mais qui est morte d'abandon. Ça aurait pu servir de leçon, mais comme nombre de développeurs dans le monde du libre n'ont aucune envie de prendre des leçons, d'intégrer des projets qui sont morts, on entendra encore sur des petites pépites de ce style. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, et à la prochaine. Ciao!